Thomas, qu'est-ce qui est passé? Lieutenant, je rapporte qu'on a ici le 5 juif et Ardon. Elle vient d'arriver et elle a déjà attaqué Friedrich et elle a démoli sa tête. Rapport. Elle s'appelle Estella Ullmann. Eh, Friedrich, allez, c'est cette juif ne armée le battre. C'est pas possible. Il s'amusait avec... C'est de la folie. Mais... J'ai vécu les 3 dernières années en ayant peur, constamment. J'ai eu peur du tout. De chaque pas, de chaque regard, j'étais. Et maintenant, j'ai eu le courage de faire ce que j'attendais depuis longtemps. J'attends vos ordres. Étrange sentiment, j'ai découvert que je n'ai plus peur. Je suis polonaise. Je suis née ici et j'ai grandi ici. C'est ma patrie. Je me souviens du monde meilleur, du temps devant la guerre. J'ai eu la chance de vivre la période d'une liberté très brève, à peine 20 ans. Le temps de mon enfance et de jeunesse sans souci. Berbiska. La littérature polonaise. Il s'apprend, hein? On va les voir. Les exécutions, les bombardements, les exterminations, une réalité sombre de la guerre qui anéantit tout à ce que je croyais, l'amour, la confiance entre les gens, la guerre qui fait régner la haine. Estella! Estella! Nous ne pouvons pas rester ici. Pourquoi? Dans tes affaires. Nous n'avons pas fait rien de mal. Où vas-tu fuir? Peu importe. Maman ne le comprenait pas. Notre seule identification néfaste, c'était le signe d'étoile jaune. En ce temps, les nazis sont passés à la résolution du problème juif. Enfermés dans le ghetto, comme des animaux, ayant comme seule compagnie la famille, la misère et la maladie. La mort est devenue notre quotidien. Merde! Il soupira de l'aide à l'oreille sur elle. Elle n'y me écarte plus la tête. Avec des histoires si banales. À vos ordres. Tu n'en as pas besoin, hein? Tu es fou avec ces sales juifs à l'ennemi. T'y voir jusqu'à demain. Est-ce que nous allons le laisser ainsi? Fais avec elle ce que tu veux. Dehors! Des secondes de bataille, dont le train de marchandises, on nous a amenés ici. Les gens disaient que les nazis nous tueront. Je m'en fichais. Je m'en fous. Je n'ai plus personne ici. Je ne crois pas que cette guerre va finir. J'ai vu autant de monstres autour de moi, autant de choses horribles que le retour de la vie normale n'est plus possible.
Une fois dans la vie, j'étais courageuse. Je sens que cette guerre va se terminer bientôt, pour moi. Je voudrais seulement que la mémoire de toutes ces choses atroces survive. Et qu'on n'oublie pas tous ces gens qui n'ont été des héros que pendant un court moment. Thomas! Ah oui? Je ne regrette rien.